Eh bien, salut à tous, c'est The Seb, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 1 du Geek des Manchots, et bien évidemment en compagnie de Trinka. Salut à tous. Voilà, donc dans cette vidéo, on va décharger la paille qu'on a précédemment faite. Encore de la pluie. Il va encore pleuvoir, ça va être très long. On va s'occuper un peu des palettes parce que les serres ont rapporté. Bon, faut que je vous montre un peu la ferme. La ferme a évolué entre deux. Il y a eu du off, il y a eu du moment où on a fait ça en live. Et puis Trinka lui va s'occuper de semer. Et puis après, je vais le rejoindre aussi. Donc voilà, on se retrouve juste après l'intro. C'est parti. Eh bien, re tout le monde, du coup, on se retrouve sur la partie. Donc Trinka est parti filmer son côté, moi du mien, et puis après, voilà, on va rééchanger peut-être à la fin. On est parti, en tout cas, on va au programme, on va ramasser les bottes, parce que là, il est en train de pleuvoir, c'est pas vraiment pas fou pour les bottes. Et après, on va juste aller chercher un bout de fourche pour justement pour tout ce qui est palettes. On va aller chercher ça à concession, parce qu'on a quand même toutes ces palettes-là à ramasser. Et aussi du miel de l'autre côté. Alors pour vous montrer un petit peu la ferme quand même, parce qu'elle a beaucoup évolué, je voulais vous montrer justement. Déjà il y a des ruches à miel qui ont été rajoutées. Là ça va être l'espace pour les poules. Donc on a mis un petit poulailler. Et aussi on a mis, hop, on a mis les silos comme ça. Donc ça je l'avais montré en vidéo. Mais bon, voilà, je vous remonte tout. Un peu de, de foliage, un peu de, voilà. C'est un peu bien aménagé. Un nouveau bâtiment. L'autre, je l'ai détruit. Le tout grand hangar matériel, on n'aimait pas du tout. On a remis ça à la place. Moins cher, mieux, plus efficace, je trouve. Ce petit hangar-là aussi, très joli. Franchement, très joli. On va pouvoir mettre les palettes dedans d'un côté et le foin et la paille de l'autre. Donc ça, c'est très bien. Et puis voilà. Et puis après, les serres qui sont juste ici. Parce qu'apparemment, les serres, ça rapporte beaucoup sur cet opus. Donc, on va le faire comme ça. Juste avant, on va revenir sur le sondage qui a eu lieu. Pour ce sondage, vous avez choisi du coup de faire les vaches. donc on va placer ça maintenant en vidéo. Alors, on va aller dans les constructions. Négociant, construction. Donc les vaches, hein, assez classique. Mais on aime bien. On aime bien. Donc voilà, allez poser. On va juste décorer peut-être un peu plus quand même. C'est pas foufou. Je vais juste remettre un peu des plantes peut-être. Tac. Voilà, tout autour, on va remettre un peu de plantes. Donc ça y est, la stipulation est posée. C'est impeccable. On va bientôt pouvoir avoir nos premières vaches. Donc en attendant, ce qu'on va faire, on va décharger le plateau. Donc du coup les amis, j'ai commencé déjà à décharger les bottes. Hop, j'ai fait un petit accéléré, je pense que vous le verrez en vidéo. On va juste finir ça, on va aller faire les palettes et puis après on va aller aider Trinka qui a acheté d'ailleurs un nouveau tracteur qui est en moins 41%. Donc c'est un tracteur de 170 chevaux. On va aller le voir après. Donc c'est un quasi-H vraiment, vraiment pas mal. 170 chevaux, on en a eu pour 50 000 euros. C'est que dalle, clairement. Donc justement, là je suis en train de finir de décharger, on va l'aider un petit peu. Donc les amis, on va reprendre, tac, il ne me reste plus que quelques bottes, j'aurais fait un accéléré aussi en vidéo je pense. Hop, je décharge encore ça, donc je mets à plat parce que c'est plus simple pour les ranger, c'est surtout ça le truc. Hop, donc, vraiment sympa ce petit bâtiment. Tac, on va essayer de faire ça bien quand même. Bon, vue intérieure carrément parce qu'on est des fous. Ouais, pas trop quand même. Hop, on va avancer encore un petit peu. Voilà. Speed. Donc on va chercher un nouveau palette ou le gyrophare, bien entendu. On va passer vers là. Je vais reconduire au volant. C'est juste parce qu'en fait quand je suis à la fourche, vu que j'ai pas mis de joystick encore, je suis obligé de prendre
le clavier clavier souris, c'est plus simple quand même. Hop, on va tourner, il n'y a personne, et tac. Donc on va aller chercher ça. Parce qu'on n'a pas encore acheté. Et hop là, on a encore du coup le miel à. Les palettes de miel et palettes de laitue. Et les palettes de tomates. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit truc que j'ai remarqué qui est un peu dommage. Sur les palettes. Justement. Alors attendez, j'achète juste ce qu'il me faut. Charge sur le nœud. Ouais. Chargeuse avant, voilà. Non, c'est pas là les embouts qu'ils ont mis ça. Outil de chargeuse avant. C'est ça, hein, chargeuse. Ouais, c'est ça. Ok, qu'on se plante pas parce que bon, quand même, au prix que ça coûte. Ah ouais, ils ont rajouté pas mal de griffes, hein, j'avais pas vu du tout. La moins chère pour la palette, c'est quoi? 1700. On va pas faire les radins. Voilà. Voilà. C'est parfait. On va aller chercher ça. Et après on va aller des Trinka du coup qui est en train de déchaumer, enfin en train de semer même carrément. Il se fait des semis direct. Il est en train de semer de l'herbe tout simplement pour nos vaches. Parce que là du coup le maïs ça va être trop tard parce qu'on est au mois de septembre. Donc c'est bien trop tard. Par contre l'herbe c'est encore faisable. Donc on va faire ça. Alors les palettes c'est toujours délicat parce que en soi faut toujours être précis. Voilà, parfait. Oh le talent. C'est chiant parce qu'il faut vraiment qu'on ait un télescopique parce que franchement j'ai l'impression qu'il y a des traqueurs, on peut pas braquer, on peut pas faire ce qu'on veut. Et je trouve ça vraiment délicat quand on cherche. On cherche à faire bien. Je vais juste vous enlever la HUD parce que c'est vraiment pas terrible pour regarder. Hop là, voilà. Donc, hop. Je dépose ça. Ici. Voilà. Okay. Ouais, c'est ça que je voulais vous montrer. Regardez les tomates, je trouve ça pas terrible en vrai. Ils ont mis une plane, ils ont mis juste une image comme ça. Ils se sont pas appliqués. Alors que la laitue, je vous laisse regarder. Regardez comment ils se sont appliqués sur la laitue. Enfin, c'est ça qui est. Que j'ai trouvé ça vraiment dommage. Mais bon, après, c'est comme ça. Je suis pas moderne ni ma peur. Enfin, c'est juste mon avis. Tac. Hop, on décharge ça ici. Je ferai peut-être un accéléré pour vous éviter tous les allers-retours qu'on a à faire. Donc les amis, on se retrouve du coup, c'est bon. Toutes les palettes sont rangées. On va juste ranger le tracteur. Hop. Je vais reculer par là. Tac. On va le reculer ici. On va prendre notre nouveau tracteur, justement. Hop. Attendez, j'enlève juste ça. On va prendre notre nouveau tracteur. Le voici. Donc, on a vraiment fait une bonne affaire de ouf, quand même. Moins 50%, comme je vous disais. Ça nous fait à 50 000 euros alors qu'il fait beaucoup de chevaux. Et ça, c'est cool. Le seul truc, c'est que là, ça va pas le faire sur la pâte basse, à mon avis. Combi. C'est pour ça qu'il a pas pris ce soir, à mon avis. On va essayer, mais à mon avis. Ah non, ça passe, c'est nickel. Donc, les gyrophares. Parce qu'on adore ça. Hop. À l'intérieur, tac, nickel. L'intérieur est sympa. Franchement, il y a pas grand-chose à redire. On va commencer à semer l'herbe et puis après on va s'arrêter là et je vous donnerai le sondage aussi, surtout très important, le sondage de la prochaine vidéo qui sera dans la description, le jeu en réduction aussi de Games Planet dans la description si vous achetez Farming à moins 10%, c'est en ce moment justement. Donc on va juste, hop, se mettre bien, je vais remettre juste l'HUD pour choisir la culture qui est déjà choisie. Ça c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. On va mettre en route la machine. Et c'est parti. Nickel, on va faire 2-3 bandes ensemble, 2-3 longueurs. Et après on va s'arrêter là les amis.
Donc j'enlève le HUD parce que ça va être tout bon. Ouais, quoique. Je vais le laisser dans, au cas où que ça ne sonnerait pas ou il y aurait un souci. Nickel. Hop. On va se mettre un peu en vin intérieur. Donc c'est vraiment cool. En tout cas, la série avance tranquillement. Faudra retirer les cailloux. Donc je sais pas si on va louer ou acheter un matériel. Donc comme je vous disais, donc le sondage de la prochaine vidéo, ça sera lié à nos vaches. La question sera, est-ce qu'on doit... On peut les acheter directement depuis la stabulation, les vaches, etc. Ou est-ce qu'on est obligatoirement obligé de prendre une bétaillère pour les transporter d'un point A à un point B, c'est-à-dire pour les acheter, donc les acheter vraiment là-bas, les ramener, etc. Même pour les revendre, même principe. Est-ce qu'on fait ça vraiment réaliste à 100%? Oui ou non? Le sondage dans la description, j'espère que vous serez nombreux à répondre. Et puis voilà, après je sais pas combien de mètres on est là sur le... On va être en 3 mètres, je crois 3 ou 4 mètres. Tac. On va reposer. Ah si, il y a un petit écart, et on faut le voir, faut le voir. Faut voir le petit écart qu'il y a. Exact, oui, il y a un petit écart. Enfin, j'ai eu peur, hein. J'étais en train de me demander si vraiment j'étais en train de semer. On va même mettre le petit traceur, ça fait plaisir, même si je sais pas si c'est vraiment utile de mettre le traceur, vu la longueur, la taille qu'on a. Donc voilà. Donc les amis, vous retenez bien le sondage dans la description. Le jeu aussi, si vous voulez en réduction, il est en description. C'est Gaspard qui fait à moins 10% en ce moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour l'épisode 2 très prochainement. Et je vous dis, portez-vous bien. A plus tout le monde. Ciao les fermeurs. Ciao, ciao.